Merci de nous suivre ce jeudi 23 novembre 2023 à travers votre magazine Kiosque pour analyser, commenter et décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, à l'affiche ce matin, Nico Faye Mbikaye est face à Eric Chiswaka. Les deux vont donc analyser l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo, ces jours, c'est tout d'abord ce communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, à travers communiqué lu par Monseigneur Donatien Cholet, qui recommande aux électeurs d'exiger des critères objectifs de compétences et de probité morale, demander des comptes par rapport aux promesses faites, à ne pas élire les opportunistes qui changent de camp, ceux qui ont pris comme témoin, comme suppléant leurs membres de famille. C'est donc le communiqué de la CENCO, n'est pas quitté les bureaux de vote tant qu'on n'aurait pas affiché les résultats. C'est ce qu'a donc recommandé le communiqué de la CENCO. Et en réaction, l'église de Réveil du Congo, à travers le pasteur Ejibaya Mapia, estime que le message de la Conférence épiscopale nationale du Congo est en contradiction avec les lois et règlements qui agissent l'organisation des élections. Cet appel, indique Ejibaya Mapia, lancé par Monseigneur Cholet, est loin d'être un appel citoyen au vote responsable et à une évaluation impartiale des procédures de vote qui, en plus, les considère, c'est-à-dire l'IRC, comme une tournure d'une guerre électorale. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. En traitant du côté de la Commission électorale nationale indépendante à moins d'un mois de la tenue des élections, Denis Kadima assure avoir réuni l'essentiel du matériel électoral et que le seul souci à ce stade demeure financier pour le déploiement de ce matériel électoral sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La CENI, sur ce, compte en partie sur l'accompagnement de la MONUSCO afin de recourir aux moyens aérien pour l'acheminement du matériel. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Madame, monsieur, il y a également la société civile congolaise qui réclame plus de transparence financière du côté des candidats à l'élection du 20 décembre 2023. Ceci afin d'éviter l'enrichissement illicite, l'usage du fonds de l'État pour la campagne. Elle recommande, la société civile, la déclaration des revenus de candidats. Nous allons donc analyser cette recommandation de la société civile qui exige aux candidats de dire comment est-ce qu'ils ont pu payer la caution, quelle est la provenance, sur quelle base ils envisagent sur quelle base ils ont postulé, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, ce sont là les trois sujets à la une de l'actualité en République démocratique du Congo que nous allons analyser avec nos invités. Nico Faye Mbikaye, bonjour. Bonjour, estimé. Je salue aussi les auditeurs et les téléspectateurs de CCTV en général et des choses qu'en particulier. On ne sera pas perdu une minute. Je dois rappeler à mon peuple qu'à ce jour, il reste 27 jours pour la tenue des élections, 70 jours pour la fin du mandat et pour cela que chacun fasse sa part. 176 jours depuis que notre frère Salomo Kalonda Iskaden avait été arrêté, qu'est-ce de la vie, de la manière que nous connaissons, un père de famille responsable, père de famille, mari d'une femme dont la fuite n'était pas crainte. On a brandi l'infraction de détention d'armes. À ce jour, cette infraction a été déjà abandonnée par le grand poursuivant. Donc aujourd'hui, on a inventé d'autres infractions. Et la personne malade, gravement malade, Salomo Kalonda, certifiée par une attestation médicale, confirmée par des contre-expertises. Mais pourquoi le régime refuse toujours et à ce que Salomo Kalonda aille suivre les soins appropriés, étant donné que son état de santé
que notre gouvernement a échappé au contrôle de Kinshasa. 87 jours depuis qu'il y a eu massacre de Ouazalendo. Hier, les Ouazalendo ont massacré, qualifié de tous les mots. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Ouazalendo qui sont là. 76 jours depuis que notre estimé confrère, Stanley Boujakira, avait été aussi cueilli au pied de l'avion dans les mêmes conditions que Salomo Kalou-Kadela. On comprend que le régime a changé de méthode, a inversé les valeurs, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. Vous avez posé la question et entré à la situation des élections. Je n'ai pas encore posé la question, c'était juste une salutation. Merci. Alors, Rick Kiswaka, bonjour également à vous. Merci pour l'invitation, bonjour à vous. Je tiens à saluer mon co-débatteur ici, c'est la population qui nous suit de partout. Le garant du bon fonctionnement des institutions qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi, le candidat de la population congolaise, les numéro 20, et sans oublier l'autorité morale de notre formation politique, puisque j'appartiens à un parti politique, il faut le dire, l'AFDC a du professeur président du Sénat Modeste Bahati, qui est candidat à la députation nationale à Bukavu, le numéro 156. Pas les numéros ici. Non, mais nous sommes le commercial. Ok, il n'y a pas de souci, nous sommes dans une période électorale. Et donc, je crois si que nous allons faire. Si vous voulez parler du numéro, il faut passer par le commercial. Il n'y a pas de souci. Je pense que nous allons faire un débat réfléchi, un débat républicain. J'ai vu à l'introduction mon co-débatteur rentrer et présenter les faits pour dire voilà, telle personne a été arrêtée pour tel. Mais il ne dit pas les causes de leur arrestation, puisque dans un état de droit, dans toute république responsable, il y a des personnes, que ce soit des personnalités politiques ou la population, lorsqu'ils commettent de bavures, ils sont interpellés. C'est ça aussi l'état de droit, c'est-à-dire interpeller ceux qui sont censés répondre devant les juridictions qui sont présentées par la République. Donc je crois que, comme je le disais tantôt, nous allons faire un débat réfléchi et républicain. Merci. Alors, je reste avec vous. On commence d'abord par cette assurance de la Commission électorale nationale indépendante qui dit avoir réuni l'essentiel de matériel électoral et que le seul souci à ce stade demeure financier pour le déploiement de ce matériel électoral sur toute l'étendue de la RDC. Sur ce, elle compte en partie sur l'accompagnement de la MONUSCO. Quelle analyse vous faites-vous, de cette assurance de la CENI, mais qui exprime un souci financier, il dit recourir à la MONUSCO. Recourir à la MONUSCO, ce n'est pas pour le financement, en fait, puisque la Commission électorale nationale indépendante est financée par le gouvernement de la République. Elle n'est pas financée par la MONUSCO, ça il faut vraiment le dire, mais elle compte pour le déploiement de ce qui est demandé, en fait. C'est-à-dire, nous avons suivi Denis Kadima lors d'une intervention dans une presse étrangère qui a dit qu'elle avait reçu ou que la CENI avait reçu 80% de moyens qui étaient déjà demandés. Apparemment, c'est pas suffisant quand on veut recourir à la MONUSCO. Non, écoutez, recourir, c'est pas la première fois dans ces pays. Pour le déploiement, ouais. Oui, ce n'est pas la première fois que la MONUSCO vienne aider la Commission électorale nationale indépendante pour le déploiement, etc. Nous avions vu, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2018, la MONUSCO a accompagné aussi la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, nous avons beaucoup de défis à pouvoir élever dans ce pays. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Le Congo, je l'ai toujours dit, c'est un chantier. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de travailler pour que nous arrivions à construire ces pays comme certaines nations. Donc, je crois que de ce côté, il n'y a pas de problème. Il reste pratiquement 20%, c'est-à-dire le gouvernement est dans son devoir. Lorsque la CENI dit qu'il faut maintenant financer pour le déploiement, je crois que c'est une interpellation au gouvernement de mettre des moyens un peu plus vite. Mais je crois que ce n'est pas impossible, puisque nous avons suivi Denis Kadima qui a dit, nous avons suivi le gouvernement qui est resté déterminé dans l'organisation des élections, puisque le gouvernement sait que la Constitution nous oblige chaque 5 ans à l'organisation des élections. Le rôle de ces gouvernements, c'est aussi de mettre le moyen. Je crois que le moyen déjà présenté, seront prêts pour que la Commission électorale nationale fasse son travail. Je sais que la CENI est rassurée. Denis Kadima nous a dit que les élections seront se tenir le 20 décembre de cette année. Il y a déjà la campagne électorale qui est déjà lancée. Les candidats sont en train de mouiller les maillots.
D'autres n'ont pas encore commencé, d'autres ont déjà commencé le débit. Donc je crois que nous sommes prêts pour les élections et nous sommes rassurés par la CENI qui nous a déjà dit et qui a déjà lancé un coup d'envoi. Et donc voilà, donc attendons les élections qui seront tournées. Mais vous dites qu'on est rassuré, on est prêt pour les élections, mais apparemment le 20%, vous avez dit 80% est déjà prêt, mais 20% s'inquiète ça, apparemment. Ça ne peut pas inquiéter puisque sur le 100%, vous recevez 80%. C'est déjà, c'est une réussite en fait. Lorsque un étudiant, un élève fait 80%, son père ne dira pas qu'il a échoué, même s'il s'attendait à ce qu'il fasse 90% ou 99%. Et je crois que le reste, les temps y est, je dirais les temps y est dans du fait que c'est pas encore la fin, ça dit c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au mois de décembre en fait, hein. Et donc c'est encore le mois de la campagne électorale. Pendant la campagne, donc la CENI peut déjà commencer si le gouvernement met les moyens, finance un peu plus vite pour, et l'aide de la MONUSCO est d'une grande importance, c'est-à-dire elle va accompagner pour le déploiement, etc. Donc nous sommes encore dans les temps. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas être dans la logique de nos frères de l'opposition qui, jusqu'à ces stades, veulent à ce qu'il y ait un consensus, un dialogue, alors que nous sommes déjà prêts pour les élections. Nous sommes rassurés qu'il y aura des élections. Chaque candidat est déjà sur le terrain. Le moyen sera déjà doté à la CENI, donc restons précis. Je crois que le 20% pourrait peut-être être résolu, peut-être ce soir. Je reviens vous avec d'autres sous-questions par rapport à ce premier sujet. Alors, Nikoufa Mbikaï, comment est-ce que vous analysez cette assurance de la CENI, mais qui attend, comme a dit Eric Tshisouka, le 20% restant pour achever complètement les besoins pour les élections? Bon, quand nous venons le matin comme ça, c'est pour qu'après émission, que ceux-là qui vont suivre tiennent quelque chose. Lorsque j'ai dit qu'on a arrêté Salomon Kalou Escadela, qui est au but de l'avion, je donne même le motif pour lequel on avait été arrêté, qu'on avait annoncé. J'ai dit qu'on avait été arrêté pour détention d'armes. Et qu'à ce jour, cette infraction a été déjà abandonnée par l'organe poursuivant. Mais lorsque lui, quelle raison veut-il encore que j'avance? On l'a accueilli au pied de l'avion au motif qu'il avait, qu'il tenait une arme à feu. Ok, il a compris. Pardon, Non, il faut qu'on avance. Mais c'est ça la raison. Voilà encore, il dit 20%. Mais il faut parler en termes numériques. Quand tu dis 20%, 20% de combien? Il faut, quand on dit des choses, il faut être précis, concis. Oh, 20%, il reste 20%. 20% de combien? Et c'est combien les 20%? Moi, j'ai entendu la CENI dire que jusqu'à ce jour, on atteint plus de 300 millions de dollars américains. Ça, c'est les montants avancés par Kalima. Par rapport à combien par rapport à combien qui a déjà été déboursé? Ah, vous savez, sur cette question-là, il y a encore un flou. On ne connaît pas à quelle hauteur. Et on parlait officiellement de 1 milliard. Mais posons-nous la question. Corneille Nana, Kabila, qui a organisé les élections, toute l'étendue nationale à 700 millions de dollars américains. Mais comment expliquer aujourd'hui, sans qu'il y ait enrôlement, les opérations d'enrôlement, dans beaucoup de territoires, et que le budget soit supérieur à celui qu'on a engagé pour l'opération d'enrôlement qui est aussi toute l'étendue nationale? Le monde évolue. Il a évolué en quoi alors? Est-ce que vous voyez l'écart là? 700 millions pour les élections, pour toutes les opérations. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs territoires sur lesquels il y a failli des opérations d'enrôlement. Mais néanmoins, on vous dit qu'il faudra 1,1 milliard. C'est-à-dire depuis que ce régime lui est là, toutes les factures sont toujours à la hausse. Francophonie, 48 millions, on est arrivé à 324 millions. C'est aussi l'évolution du monde. Si je parle votre logique, c'est aussi l'évolution de quoi? La modernité. Ah madame, comment expliquer que toutes les dépenses de ces régimes sont toujours à la hausse? Mais néanmoins,
lorsqu'il s'agit de bien faire le travail, on ne fait jamais bien le fait, on ne fait jamais bien le travail. Francophonie qui a plus de 324 millions, aucun ouvrage n'a atteint son terme. Stade des martyrs, n'êtes pas attention, on n'a pas fini les travaux. Et Stade Tata Raphaël, on n'a pas fini les travaux. L'université de Kinshasa, on n'a pas fini les travaux. Alors, mais pourquoi toujours les billets sont toujours à la hausse? En bref, Nico Faye veut dire quoi? Réagir pour moi par rapport à ce premier sujet. Moi, et juste là, par rapport à ce que l'on a dit, on attend comment ça va se passer. Je ne confirme pas et je n'infirme pas, mais néanmoins, au vu de ce qui se passe, et en plus, il faut aussi souligner que comment expliquer que les élections de 2018, qui ont eu à coûter 700 millions de dollars, nous ont fabriqué des cartes de qualité. Et comment cette fois-ci, avec un budget de 1,1 milliard, on nous fabrique des cartes à usage unique? Ce sont des questions habituelles que l'on peut se poser. Quand on dépense cher, c'est pour avoir les ouvrages de qualité. Lorsqu'on achète le lot, par exemple, on nous fabrique des routes de 100 000 dollars par kilomètre carré, ça fait 3-4 mois. Mais lorsque vous dépensez 600 000, 700 000, 800 000 dollars, 1 million de dollars, vous aurez une route de qualité, un kilomètre de route de qualité qui peut faire 50 ans. Mais comment expliquer, avec un budget à la hausse de 1,1 milliard, qu'on nous fabrique des cas d'usage unique, sans photo, sans identité? Ce sont les inquiétudes que tout Congolais peut aussi arriver à se poser toutes ces genres de questions. Mais néanmoins, il reste 27 jours. Pour la tenue des élections, on va voir ce qui va se passer. Merci. Eric Chiswaka, je reviens à vous. La CENI dit recourir en partie. La CENI compte en partie sur l'accompagnement de la MONUSCO afin de recourir aux moyens aériens pour l'acheminement du matériel. Mais ce n'est pas cette MONUSCO-là qui doit quitter en décembre. Dans le retrait est accéléré. La MONUSCO qui n'a rien fait en 10 ans. Et comment on va encore recourir à cette MONUSCO? D'abord, je vais répondre un petit peu à mon co-débatteur, parce qu'il revient toujours sur l'infraction, en fait, sur la condamnation ou l'arrestation de Salomon Escadela. Il faut éclairer l'opinion, en fait. Je sais qu'il sait qu'il existe même en droit ce qu'on attend par cumul des infractions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que ceux qui nous suivent comprennent ce que signifie cumul des infractions lorsque vous êtes interpellé pour X sujet et que par après, il y a d'autres cumul qui viennent, qui font en sorte que vous soyez détenus au niveau de la justice. Alors, je reviens. Il parle de la CENI. Il présume qu'il y aurait un détournement puisque la CENI a dit qu'il resterait pratiquement à 20%. Et que les élections sont financées pratiquement à 1,1 milliard de dollars. Il fait une comparaison pour dire, voilà, en 2018, voilà ce qui avait été fait, voilà. Et pourquoi ces régimes sont toujours dans les détournements, etc. En fait, ce n'est pas le gouvernement qui a présenté les budgets de l'organisation des élections. La CENI est une commission électorale nationale indépendante. C'est elle qui a présenté, elle dit, voilà, pour que nous organisions des élections, voilà ce qui est présenté. Et il faut dire aussi que les élections sont financées par les gouvernements. Le gouvernement met des moyens. Il ne peut pas parler d'un détournement aujourd'hui alors que nous sommes dans un processus électoral. Et je reviens aussi, puisqu'il parle des dépassements, il dit non, voilà ce qui avait été prévu dans la francophonie, voilà ce qui a eu, etc. Je suis économiste des formations, vous savez, un dépassement budgétaire n'a toujours pas été un détournement si ce dépassement budgétaire est justifié. Je vais vous donner un cas précis. Lorsqu'on vote les budgets, par exemple, il y a la répartition de chaque secteur. On vous prend, par exemple, la sécurité, on vous dit, la sécurité aura peut-être 20% en fait. Et on arrive qu'il y a urgence incroyable au niveau de la sécurité et que la répartition, le pourcentage qui avait été prévu et que nous sommes dans une guerre demande à ce que le gouvernement mette au-delà de moyens. On ne va pas trancher dans d'autres secteurs, c'est-à-dire réduire le pourcentage du secteur de la santé, etc., de l'éducation, etc. Non, c'est-à-dire au-delà de ce qui avait été prévu, on donne
au plus, puisque c'est la nécessité et l'urgence, et c'est un dépassement budgétaire dans ces secteurs-là. Mais il a parlé de la francophonie, là, c'est pas justifié. Non, non, écoutez, je suivis l'inspection. Ils sont tractaques d'ailleurs, Nicolas Cazette. Non, écoutez, je suivis. Moi, j'ai suivi l'inspection générale des finances. J'ai suivi les chefs qui a dit qu'il n'y a pas un détournement. Et Nicolas Cazadi a parlé d'un dépassement budgétaire. C'est dans son rôle, il est ministre des Finances. Il dit ce qui avait été demandé, nous avons donné, mais nous avons donné au-delà de ça. C'est un dépassement budgétaire. Mais je l'ai dit, un dépassement budgétaire ne signifie pas un détournement si cela est justifié, puisque l'inspection générale des Finances fait un contrôle après. Donc, pour voir ce qui a été fait, est-ce que l'argent demandé a été affecté dans ce qui devait être fait? Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas ici faire croire aux autres qu'un dépassement budgétaire signifie un détournement. Ça n'a jamais été dans beaucoup de pays. Si vous regardez, il y a des dépassements budgétaires lorsque, dans tel secteur, il y a urgence et nécessité. On le voit même dans la COVID, lorsque nous avons eu cette épidémie et COVID, etc. Le secteur de la santé avait pris beaucoup plus de pourcentage que d'autres secteurs. Alors c'est pas le sujet. C'était quand même important parce qu'il fallait revenir alors là-dessus. Alors, vous répondez à ma question. Écoutez, il a dit ici 700 millions l'année passée, etc. Bon, je l'ai déjà répondu. Vous parlez de la MONUSCO, oui. Nous demandons à la MONUSCO de partir, et puis cette MONUSCO viendrait nous aider, etc. Pour les déploiements. Le retrait de la MONUSCO, c'est un retrait progressif. Vous savez, nous y travaillons, le gouvernement, nous avons suivi, les chefs de l'État l'a dit, que la MONUSCO partirait, puisqu'il faudrait pour sauvegarder l'intégrité territoriale, pour combattre, il faudrait que le FRDC, l'armée congolaise, fasse ce travail, parce que c'est dans son rôle de sécuriser les territoires de notre pays. C'est vrai que la MONUSCO est venue nous accompagner, ça fait beaucoup de temps. Nous avons analysé, nous avons fait ce que nous appelons un diagnostic. Et nous avons trouvé que la MONUSCO n'a pas, c'est-à-dire, répondu aux attentes par rapport à ce qui a été prévu dans leur cahier des charges, dans ce qu'il devrait faire. Alors, maintenant, nous, étant gouvernement, nous nous sommes dit, il faut que nous prenions ces responsabilités. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des réformes au niveau de la sécurité. Il faut vraiment le dire. Nous avons aujourd'hui une loi de la programmation militaire qui a été mise en place. Nous avons des réformes, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui, nous avons cette capacité de pouvoir nous approvisionner d'armes à paix, ce qui n'avait pas été. C'est-à-dire, le chef de l'État, les institutions de la République, on travaille pour cette réforme-là. Et pour que l'armée congolaise devienne une armée forte, une armée républicaine, capable de défendre son intégrité territoriale. Et donc, on ne veut pas que la MONUSCO reste éternellement. Donc, c'est un... Mais elle va quand même aider pour le déploiement. Non, mais écoutez, ils sont encore en mission en République démocratique. Bon, un retrait progressif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça va petit à petit, à petit feu. C'est pas que nous allons chasser la MONUSCO automatiquement de pouvoir partir. Mais si aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante demande à ce que la MONUSCO vienne en aide pour le déploiement, et cela n'est pas interdit, c'est une collaboration, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous collaborons jusqu'à ce stade avec la MONUSCO. C'est pas seulement en République démocratique du Congo que nous voyons cela. Dans certains pays africains, il y a de l'aide de l'extérieur qui viennent les accompagner. Ça ne veut pas dire que la MONUSCO sera dans l'organisation des élections. Non, attention. Mais elle va quand même apporter ça. Non, mais... Si aujourd'hui, nous avons suivi la CENI demandée à la MONUSCO, si par exemple le gouvernement dit, écoutez, nous pensons que nous allons faire ce travail, c'est pas interdit. Si la MONUSCO au-delà de la CENI au-delà de la MONUSCO voudrait par exemple à une organisation ou une structure qui pourrait l'aider dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. C'est une collaboration, et dans la collaboration, cela n'est pas interdit, nulle part dans la Constitution, à moins qu'on me le dise, même dans, la loi électorale, il est dit que la CENI ne peut pas demander de l'aide pour, déployer ses kits, etc. Donc, je crois que ça, il ne faudrait pas confondre certaines choses. La CENI fait son travail. L'aide de la MONUSCO n'est pas interdite. Nous sommes dans la collaboration, bien qu'elle serait en train de partir d'ici. Nico Faye, quelle est votre analyse par rapport à cette question? Madame, je vous ai dit, une mission où il faut un cratère mon cours pédagogique. Et puis, il se dit, économiste universitaire, il a commencé par demander à ce qu'on élève le débat. S'il ne le sait pas, qu'il apprenne, qu'il le voit avec les silos et un carnet, qu'il écrive. Mets-toi en tête que le dépassement budgétaire, c'est une faute de gestion condamnée par, je te donne même la référence,
allez lire l'OFIP, loi des finances publiques, article 129, qui érige le dépassement budgétaire en faute de gestion. Je te donne les références. Voilà comment le régime caractérisé par le détournement justifie le dépassement budgétaire. Dans tous les ouvrages, il y a toujours le dépassement budgétaire. Mais bon, dans la qualité, il y a des salaires, il y a des dates. En commençant par les dates, comment tu viens à 700 millions de dollars et persécution sur ma carte qui tombe, dit les lots. Mais comment tu veux des noms bidé à 1 milliard 100 et faire la carte exagérée, madame? Donc, lorsqu'on va faire des achats, un bien qui coûte moins cher, de même marque, et un bien de même marque coûte cher, ni et où ne la cabacasse. Tu vois, on a des syndicalistes et des tourneurs sur le plateau. Quand même, ma baisse la voie de côté, nous avons fait 324 millions, nous avons fait défendre les arbres. Les 324 millions, l'OIF a mis à tabler avec le gouvernement. Il y a une commission qui a tablé avec le gouvernement de Kinshasa avant. Ils se sont convenus le montant de dépenses générales, 48 millions de dollars. Va expliquer à la Congolais comment peut-on passer de 48 millions à 324 millions de dollars dans mon capoyo. Va policier va la télé. Les enseignants du territoire de Kabamba dans le Maniemamo appelé Koumengi, ça fait 4 mois les enseignants de l'école primaire à Kabamba ne sont pas payés. Vous répondez à ma question. Je vais vous répondre à mon histoire. Parce que vous avez un syndicaliste qui va détourner sur le plateau. Vous l'avez déjà dit. Namonisco. Pourquoi s'il n'y avait pas eu, si le déplacement n'était pas érigé en faux de gestion? Après même ce sujet de francophonie, la commission de l'œuf est d'abord revenue à Kinshasa pour voir clair. Après l'été, avant et après, lorsqu'il y a eu ce problème de 324 millions, une commission de l'œuf est venue au Congo pour voir clair dans cette affaire. Mais il y a un syndicaliste ici qui dit que non, la faute de gestion n'est pas une. L'aide donc partie de la MONUSCO pour le déploiement de matériel de la commission électorale. Comment est-ce d'antenne, hein? 700 millions de dollars 2018 sans l'aide extérieure ailleurs pour financer toutes les opérations et non seulement toutes les opérations avec des matériels de qualité. Mais comment expliquer le moment? Je reviens sur cela. Plus de 1 milliard 100. On n'a pas de cadre. On n'a presque pas de cadre. Ne revenez pas sur ce que vous avez déjà dit. Il y a des problèmes d'organisation terribles à tous les niveaux. Il y a des territoires où il n'y a pas eu des opérations d'arrondissement. Mais comment on continue toujours à demander l'État là, madame, 700 millions, aujourd'hui 1 milliard 100, il y a une écart d'au moins de 400 millions de dollars. Est-ce que le 400 millions de dollars ne pouvait-il pas tomber sur ces vides-là? Nicolas Faye, vous reconnaissez quand même que dans chaque cycle, on recourt à la MONUSCO pour notamment aider pour les déploiements. On ne refuse pas. Mais moi, je pose la question. 700 millions de dollars aillent à financer toutes les opérations et surtout les tarifs nationaux. Il n'y a pas eu aucun territoire où il n'y a pas eu enrôlement. Mais comment expliquer les lots? Un budget de 1 milliard 100, faites le calcul. 1 milliard 100 moins 700 millions, il y a un écart de 400 millions de dollars américains. Mais 400 millions, et pour qui vous comprenez qui doit aller? Madame, alors on a eu l'air pour faire le budget, peut-être qu'on y a gagné. Budget plus élevé, des territoires sur lesquels il n'y a pas de personnes d'enrôlement, mais on continue à demander. Pour monter en présentant des inquiétudes, ça ne peut pas faire réfléchir. Est-ce que réellement bon moment, budget de l'économie est 1 milliard 100? Elles sont minimes ces inquiétudes, 20% sur les 4. Non, c'est pour cela que je l'ai proposé. Je ne parle pas en termes de pourcentage, il faut parler en termes numériques. Il faut chiffrer. Quand
dit 20% là. Ça minimise, hein? Oui! Dès qu'on comprend, Manini, Nayeli Sibayamayele, votre éclairé, procureur, vous parle en termes numériques. Kadima, je prends les chiffres de Kadima, de l'UDPS placé à la CIVI. Lui vous dit que budget d'année a apporté à plus de 300 millions de dollars à 27 jours. Merci Nico Fay. Alors on prend notre sujet. La société civile congolaise réclame la transparence pour les candidats à la présidentielle, hein, pour la campagne électorale. Elle dit vouloir éviter l'enrichissement illicite, l'usage des fonds de l'État, des conflits d'intérêts. Ils voulaient qu'on puisse clarifier sur la provenance de moyens avec lesquels les candidats battent campagne, sur quelle base ils envisagent, ils sont en train d'investir autant des moyens, dire, ils évoquent également la question de la déclaration du patrimoine des candidats. Eric Tshisoka, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, avant de commenter cela, il faut que je rappelle, parce que c'est très capital, vous savez, M. Nico Fall a parlé, dit, dépassement budgétaire signifie faute de gestion. Je crois qu'il doit savoir définir ce qu'on attend par une faute de gestion, parce que je suis quand même économiste, je ne vais pas faire passer toutes ces choses-là, excusez-moi. Une faute de gestion résulte d'une manœuvre frauduleuse, d'une négligence, d'une imprudence, d'une erreur volontaire ou non. Alors que ici, il fait la confusion entre un dépassement budgétaire et une surfacturation. Attention, il faut qu'on soit très précis et concis. Un dépassement budgétaire ne signifie pas simplement qu'il y a détournement, puisque une faute de gestion, c'est lorsqu'il y a, c'est-à-dire le budget qui est alloué et que vous avez très mal géré cela, il y a eu détournement. Lorsqu'on vient faire les contrôles, voyez-vous, et dans ces contrôles, on trouve des manœuvres, c'est-à-dire une mauvaise gestion, etc. Dans ces manœuvres, on dirait que le monsieur en question n'a pas géré le financement comme il se doit pour X choses, Y. C'est-à-dire, c'est là où il y a les contrôles. Dans la faute de gestion, on définit la faute de gestion lorsqu'il y a un contrôle qui est venu. C'est ça, au fait. Alors que, n'est-ce pas, là, comment dirais-je, lorsque lui parle de manœuvre, etc., il dit faute de gestion, je crois qu'il veut parler peut-être de la surfacturation, puisque la surfacturation est un détournement. C'est-à-dire, il est demandé, par exemple, que ce téléphone que je tiens ici, que vous, le prix est bien déterminé, par exemple 100 dollars, vous, vous élevez le prix en question, c'est-à-dire de ces téléphones, n'est-ce pas, vous dites que ça coûte 120 dollars. Lorsqu'il y a contrôle, on vient de voir que réellement le prix présenté n'est pas ce qui est, n'est-ce pas, que vous avez présenté. Et bien écoutez, à ce moment, on parle de la surfacturation, il y a des sanctions qui viennent, etc. et tout ça. Donc il doit arrêter de pouvoir confondre cela. Je crois que l'inspection générale des finances sur le dossier de la francophonie a dit qu'il n'y a pas détournement, qu'il y a dépassement des budgétés. Et nous avons vu dans secteur de ce pays. Plusieurs pourcentages. Hein. Évidemment, on ne refuse pas, mais ça a été justifié. Je crois que le coordonnateur de la francophonie, etc., s'est présenté pour parler de cela. Ce n'est qu'une parenthèse. Évidemment, mais c'est pour dire. Donc, nous en avions vu ces dépassements budgétaires dans plusieurs secteurs, notamment de la santé. Nous le voyons dans l'enseignement, nous le voyons dans la sécurité. Et donc, cela est justifié et il n'y a pas un détournement là-dessus. Alors, il a tergiversé sur des questions, vous lui posez des questions, il vient vous dire, moi je parle en termes de numérique, etc. Denis Kadima parlait de 300 millions de dollars, je crois, c'est ce qui doit être versé. Je crois 300 millions, il reste pratiquement 300 millions de dollars. Sur le 1 milliard 100 millions de dollars, je veux dire les 80% déjà de l'argent ils ont reçu et qui reste pratiquement 300 millions de dollars, vous allez dire que c'est impossible. Il fait 1 milliard 100 000, moins 300 millions, je crois, ce qui est resté, pour voir ce qu'ils ont déjà reçu. Voyez-vous. Et ce qui est... S'il y tient, alors il ne faut pas minimiser la somme qui reste. Non, mais je ne dis pas qu'on minimise la somme qui reste. C'est une somme colossale, qui est une somme importante pour l'organisation des élections. Mais regardez d'abord ce que la Commission électorale nationale a reçu. C'est-à-dire, c'est plus de 50%. S'il restait pratiquement 20%, vous n'allez pas dire que c'est 20%, c'est impossible. Puisque le gouvernement dans son... 20% de non, mais Nico Faïsé. Écoutez, c'est-à-dire qu'ils ont réussi déjà plus de 50%, 80%.
le 20%, le gouvernement mettra ses 20%. Alors, de ses côtés, revenons à ma question. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mm-hmm. Attendons, je crois que Denis Kadima va recevoir cette somme-là. La transparence. Écoutez, la transparence, tous les Congolais veulent que ces élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Ce n'est pas simplement dans l'opposition. Même nous, la société civile, hein, c'est pas de mais oui, c'est vrai que la société civile exige cela. La population congolaise veut cela. L'opposition en parle. Le pouvoir veut aussi la crédibilité. Ne pensez pas que les élections, c'est nous au sein du régime, nous ne voulons pas la crédibilité. Non. D'autant que l'opposition mettra des témoins par-ci, par-là pour qu'ils vérifient, etc., c'est-à-dire qui est élu, qui n'est pas élu. Nous autres, nous allons le faire. Ce qui est demandé par la société civile, ils sont dans leur droit de demander à ce que les élections soient des élections crédibles et transparentes. Moi, je crois que c'est dans leur rôle, c'est la société civile. Elle ne veut pas qu'il y ait de problèmes dans ce pays. C'est que nous en avions vécu en 2018, en 2011 et également en 2006. Et donc, c'est dans son rôle. Moi, je crois que si aujourd'hui, Monseigneur Donatien Abbé Chollet demande aux électeurs, puisque c'est le troisième sujet. Voilà. Donc, je crois que la transparence, c'est ce que tous nous voulions. Et donc, je crois que ces élections seront des élections responsables, des élections crédibles, où tous les Congolais seront là pour voir qui sera élu et qui ne sera pas élu. Et donc, laissons à la Commission électorale nationale indépendante faire son travail. Alors, les questions qui ont été posées, elles sont quand même fondées. Hein? Tout à fait. On doit savoir des candidats sur quelle base ils investissent autant de moyens ou est-ce que la provenance de leurs moyens pour payer, par exemple, avec lequel ils ont payé la caution, ce sont quand même des questions, des interrogations fondées qui doivent être posées, voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si la Constitution, parce qu'il faut parler avec la Constitution, oui. Et que la Constitution a dit, si Éric Tshisekedi s'est présenté comme candidat président de la République, eh bien, on doit venir voir la somme qu'il va mettre, il en a eu, il fait quoi. Il fait quoi on ne doit pas poser ces questions. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je parle sur base des textes. Si la Constitution a exigé cela, et donc nous allons le faire. Ou soit, lorsqu'il y aurait certains députés qui seront élus, ceux qui sont candidats, ils peuvent peut-être si nous voulions, si quelqu'un veut être candidat président, il doit nous dire la somme, vous allez en avoir où, vous faites quoi, qu'est-ce que vous faites de votre vie, etc. Comment vous avez eu cela et tout. Et peut-être ça pourrait être prévu, mais je crois que la Constitution n'a pas dit, et je sais qu'il y a des responsables, il y a des hommes d'affaires, il y a ceux qui sont dans leurs affaires privées, on ne viendrait pas ici parler de qui que ce soit pour dire telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Et donc, s'il faut parler pour les candidats présidents, donc là, je crois qu'on va aussi parler pour les candidats députés nationaux pour demander, ils ont réussi la caution ou pour donner les 1 000 $, etc., ce qu'ils ont donné. Donc ça, c'est un faux débat, je crois que c'est pas ça. Mais moi, je crois qu'il devrait parler des critères, hein, de l'éthique, de la déontologie, puisque c'est ça, en fait, des critères importants pour que la population, les électeurs choisissent ceux qui ne seront pas au Parlement pour dormir, ceux qui seront au Parlement pour le vrai contrôle. Vous savez, moi j'ai toujours dit dans ces pays, nous n'avons pas qu'un problème de loi, puisque les lois, nous en avions des très bonnes lois. Mais nous avons simplement un problème de suivi de ces lois qui sont déjà présentes, c'est-à-dire suivi de l'applicabilité de ces lois. Donc je crois que les critères devraient aussi être fondés sur base de ce que je venais d'évoquer ici, pas pour parler des financements, tel reçoit l'argent, où il en fait quoi, etc. Donc je crois que ça ne vaut pas la peine. On peut pas. C'est pas vraiment important de pouvoir en parler. Sinon, ça serait une guerre. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai construit telle maison. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons lors de ces campagnes électorales de certains dans l'opposition. Au lieu de nous parler de leur vision, de leur programme, ils arrivent à Kisangani. Voilà la maison de notre leader. Ils arrivent à Mbujimayi. Voilà la raison de la maison de notre leader. Voilà, nous avons affrété des jets. Voilà, nous avons. C'est pas ça, c'est que le peuple veut. C'est une vision claire pour notre pays. C'est pas pour dire tel candidat est un milliardaire. Bon, il a son argent. Quand il deviendrait président, il n'a pas besoin de l'argent de ce qu'il va recevoir. Et ben, écoutez, ça, c'est un faux débat. Merci. C'est un faux débat. Parlons de choses importantes. C'est aussi un faux débat pour vous, ces interrogations de la société civile, la provenance de moyens, pourquoi ils investissent autant de moyens. Ces questionnements-là ne valent pas la peine. Oui, vous avez constaté que dès l'entame de cette émission, de l'autre côté, il y a toujours un défenseur des antivaleurs. Je n'accepterai pas qu'un plateau sur lequel je participe, que
j'ai eu un génocidaire scientifique. Pas des gros mots, hein? Non, je reviens sur ça. Qu'il se mette entre moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit que le dépassement budgétaire, c'est un détournement. Je n'ai pas dit ça. Mais néanmoins, le dépassement budgétaire est érigé en faute de gestion par la loi de finances publiques en son article 129. Quelqu'un peut tricher et puis il dit que c'est un dépassement. C'est dans ce sens-là qu'il veut. C'est pour ça qu'il se cache derrière ça. Ok. Ils se cachent derrière les dépassements budgétaires. Ils ont commencé avec leur ringuette IGF. Ils ont commencé par dire tout haut que le dépassement n'était pas une faute de gestion. Mais lorsque moi, je suis babayen et je leur ai fait voir la loi des finances, à son article 129, je reviens sur ça. Et risque le dépassement était en faute de gestion. Et pas plus longtemps que la Cour de compte m'avait suivi. Quand ils sont à l'intelligence avec, parce qu'ils vont toujours en réseau, l'IGF est de l'autre côté, on soulève un problème, l'IGF maintenant vient faire les dossiers. Vous savez, cette histoire de passer, ça commence d'abord à la présidence de la République. Lorsque j'ai dénoncé le dépassement des terres, on se cache derrière ça, l'IGF vous dit, et c'est l'IGF qui dit tout haut que non. Comme c'est là qu'ils sont convenus. Que les dépassements des terres n'est pas une faute de gestion. Moi, je leur ai fait voir la loi, article 129, qui risque la faute de gestion. Et le débat était clos. Ma question. Mais voilà encore, il dit non, non, dans les États, malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État. Dans les États, on plafonne les dépenses pour la campagne. Dans les États, on plafonne. Les autres cycles, on avait plafonné. Pardon? Les autres cycles. Moi, j'ai dit, dans les États, on plafonne. Mais je dis que dans les autres cycles, mais retenez que dans les États, on plafonne les campagnes, les fonds pour la campagne électorale. Pourquoi ça a posé arrêté si cela ne posait pas de problème? Pourquoi ça a posé être poursuivi en justice pour avoir allé chercher les fonds pour financer sa campagne en Libye? En France, il est possible pour ça. Et comptez-vous, venir sur le plateau, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Vous devez vous informer. Ça peut être possible pour ça, pour avoir eu des fonds indûment venant de la Libye. Il est possible pour ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? En fait, je ne peux pas parler cela au bout, c'est leurs enfants, ils ne connaissent pas la loi, les lois. Donc on doit tout contrôler. L'état des droits c'est quoi? L'état des droits n'est pas seulement parce que ça le voit quand on devait par exemple qu'on arrête au pays de la vie. Non. Mais les massacres, les tueries, ça fait aussi partie de l'état des droits. Chez Rivet au Kéné ou jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans le froid. Malgré que l'homme ne sait pas du fait, ça fait aussi partie de l'état des droits. La transparence des comptes. Les Congolais de Mouesso, on vient de prendre Mouesso. Eh, vous n'avez pas de nom, oui, campagne de Mouesso. Est-ce que la Congolais où il y a Mouesso, on peut faire question? Transparence financière, c'est ça ma question, oui. Parce qu'il y a des ministres des antivoleurs sur le plateau. Donc pour vous, vous soutenez cette idée de la société civile congolaise qu'on doit. C'est posé toutes ces questions. De mauvaises pratiques de ce régime. Oui. Bon, ce qu'on dit, francophonie, bon, on reçoit 48 millions. Vous revenez encore sur ça? Non, je donne l'exemple pour appuyer mon argumentaire. Francophonie, 48 millions. Bino, on peut nous savoir qu'en Congolais, 324 millions. Et tu as combien? Plus de 280 millions ont été évacués. Alors, pour être seulement dans les affaires, dans 280 millions, on a, vous allez battre une campagne à 2 millions, 3 millions de dollars. Vous allez faire des achats de conscience. Les candidats, ce n'est pas seulement les gens du pouvoir, il y a aussi ceux qui sont les opposants, avec Maurice Katumbi. Moi, je donne un exemple. Quand tu es dans un dossier, par exemple, à 280 millions de dollars, comme on soutient de l'autre côté, que le dépassement n'est pas une faute de gestion. Alors, moi, je dis, sur 48 millions, vous êtes allé de casser 324, faites le calcul. Vous avez au moins 274 millions de dollars qui a congolais que 2, 3, 4 individus basés. Pour être dans les affaires,
Mbappé a reçu 274 millions de dollars pour battre la campagne à 4 millions de dollars pour la députation. Donc, il faut plus de transparence, de la provenance de l'argent. Mais oui, qu'est-ce que c'est de blanchiment? Merci, Nicolas. Alors, nous allons vous parler en une minute. Vous savez, les fonctions de blanchiment des capitaux. Moi, je suis là, des passements de tête qui me soutiennent. Au lieu de la députation, tu fais une campagne de 400 millions de dollars américains. Et tu commences maintenant, tu attends maintenant les emoluments. Je répète encore, les candidats, ce n'est pas seulement ceux qui ont été au pouvoir ou qui sont au pouvoir. Il y a ses opposants, il y a 26 candidats. Oui, c'est pas ceux qui sont pas tous du pouvoir. Et pourquoi ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on parle de la transparence? Ok. C'est là que je pose le problème. Pourquoi qu'on parle de transparence et je viens et ne veulent pas qu'on parle de transparence? Lorsqu'on dit que les personnes étaient des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ça, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont dedans. Alors, c'est communiqué de la SENCO, s'il vous plaît, vous répondez à ma question, parce que nous tournons déjà vers la fin de notre magazine kiosque de ce 23 novembre 2023. La SENCO recommande aux électeurs d'exiger des critères objectifs, de disait tantôt, de demander des comptes, des promesses, à ne pas élire les opportunistes, ceux qui ont comme suppléant leurs membres de famille, et demande aux ces électeurs de ne pas quitter le bureau de vote tant qu'il n'y aura pas affichage des résultats. Non, recteur l'église des réveils du Congo avec Ejibaya Mapia, que j'ai suivi personnellement. Ces messages de la SENCO est en contradiction avec les lois et règlements qui régissent les organisations, l'organisation des élections. Ces messages, l'église du réveil le qualifie d'une guerre électorale. C'est tout le point où on appelle les électeurs à rester au bureau jusqu'à l'affichage. Bon, écoutez, je vais répondre à ça un peu plus vite. C'est une question. Plaît, dans 30 secondes, je peux répondre. Ça, c'est rien. En fait, je reviens encore. Je dis, tout dépassement budgétaire n'est pas toujours une faute de gestion. La faute de gestion, c'est lorsqu'il y a contrôle. Lorsqu'on vient faire un contrôle dans ce qui a... En fait, lorsqu'on ne sait pas voir, vous ne savez pas justifier ces dépassements budgétaires, lorsqu'il y a contrôle, ça doit maintenant être érigé en faute de gestion. Je prends un cas, je reviens encore. On vous dit, dans le secteur de la justice, on affecte 1 milliard de dollars. Ce qu'il y a budget, répartition, on vous dit 1 milliard de dollars pour la sécurité. Et il y a une urgence, nécessité, une guerre où, avec ces M23, etc., le gouvernement s'est dit, écoutez, il faut allouer encore une somme colossale pour l'armée. Sur le budget qui avait été prévu, n'est-ce pas, dans le secteur de la sécurité, on ajoute 1 milliard de dollars. Et après, lorsqu'il y a, c'est-à-dire évaluation, vous allez dire que non, écoutez, voilà, il y a eu un dépassement budgétaire dans cela, c'est une faute de gestion. Mais Nico a dit, beaucoup profitent de cette urgence pour tricher, pour détourner au nom de dépassement budgétaire. Je ne veux pas aller dans sa logique, puisqu'il veut prendre plusieurs cas pour dire, voilà, il y a eu détournement, etc. Non, moi, je vais simplement faire comprendre que tout dépassement budgétaire n'est pas toujours une faute de gestion, puisque la faute de gestion, c'est lorsqu'il y a contrôle. Comment on sait qu'il y a un dépassement budgétaire? Puisqu'il y a un contrôle. Merci. Comment on va définir que c'est une faute de gestion, puisque ce qui avait été prévu n'a pas été fait? Voilà, c'est ça en fait. Il ne faut pas ici amener la loi des finances, etc. Oui, on érige en faute de gestion lorsqu'il y a contrôle. Lorsqu'on veut faire un contrôle et dans ce contrôle, on dit la charité n'a pas apporté des résultats. C'est ça en fait. C'est par là qu'il y a la sanction. La gestion est refait, sanctionnée, etc. Il faut pas. Je vous comprends, Eric, vous êtes sensible aux questions économiques. Il a parlé de génocide scientifique, mais je sais que nous connaissent, comprennent qui est un génocidaire scientifique sur ces plateaux. Alors, je crois que l'Église. La SENCO, l'Église catholique, voudrait qu'il y ait de très bonnes élections, il n'y a pas de problème. L'Église des réveils, etc., veut à ce qu'il y ait ces élections, ce n'est pas un problème. Mais en fait, ici, c'est une guerre, c'est un rapport de force, en fait. Nous savons dans cette Église, dans la SENCO, certains sont proches de certains candidats présidents de la République. Comme à l'Église des réveils aussi. Mais oui, je ne réfléchis pas, je dis que c'est un rapport de force. Lorsqu'ils disent ici qu'il faut faire allusion à des promesses non tenues, mais ils doivent nous dire quelles sont les promesses qui ont été non tenues. Mais s'il y a des promesses qui sont non tenues, qu'ils nous disent aussi des promesses qui ont été tenues. Voyez-vous, moi je ne voudrais pas ici que l'Église se mette à pouvoir faire de la politique active. Voyez-vous, ici, quand il dit des promesses non tenues, je crois qu'il veut parler du président Tshisekedi pour dire, voilà, il y a des choses qu'il a promis, des choses qui ne sont pas réalisées. Mais qu'il nous dise des choses qu'il a promis, qui sont réalisées.
Cette église catholique a toujours combattu la gratuité de l'enseignement, vous le savez. Aujourd'hui, la gratuité a apporté beaucoup de résultats. C'est plus de 10 millions d'enfants qui ont repris l'école. C'est plus de 1000 et quelques écoles qui ont été construites. Le bilan est là. Donc, je ne veux pas entrer dans ces débats de théâtre, etc. Je crois qu'ils sont dans un rapport de force et nous savons que l'église catholique soutient un candidat président. Nous connaissons le jeu de ces personnes. Je ne parle pas d'une église, la totalité des croyants catholiques, mais il y a des individus qui sont derrière certains candidats, et que ce soit ceux qui sont de l'église du Réveil, etc. L'église doit être au milieu du village. L'église doit prêcher la paix, l'église doit prêcher la véracité. C'est vrai qu'il faut condamner certaines choses. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites non, voilà quelque chose ne va pas, mais ce qui va, il faudrait aussi applaudir pour dire, par exemple, la gratuité de l'enseignement a permis à ces enfants qui ne savaient pas aller à l'école de partir. Pour cela, nous apprécions ce que le régime a fait, mais nous voulions qu'il amène ça un peu plus loin. C'est ça la crédibilité, la transparence, pas pour être sur un camp, etc. Donc je pense que ça, c'est un rapport de force de plusieurs églises, catholiques, musulmanes, etc. Mais cela n'apporte à rien puisque nous voulons qu'il y ait de très bonnes élections. Et le peuple sait qui est un vrai acteur politique et qui ne l'est pas. Voilà, Eric, tu sens qu'à la question qui a soulevé la réaction de l'église de Réveil, c'est quand la SENCO dit qu'il faut que les électeurs restent au bureau jusqu'à l'affichage. Et l'église de Réveil avec Jibaya Mapia a réagi en disant que c'est pas les résultats d'un bureau de vote qui fera un électeur ou un candidat député élu, parce qu'il y a le problème de seuil des recevabilités et que vous pouvez avoir beaucoup de points de ce côté, mais de l'autre côté vous n'en avez pas. Et il a traité l'église des réveils, elle a traité la déclaration de l'église catholique d'une guerre électorale. Écoutez, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition et nous qui sommes au pouvoir, nous avons dit que nous avons des témoins. Ne pensez pas que les témoins ne vont qu'il n'y aura que des témoins de l'opposition qui vont dormir dans les bureaux des votes, etc. Non, et nos témoins aussi vont dormir là-dessus. Donc, je crois que c'est une sorte de comédie habituée par certains. Et donc, moi, je crois que s'ils disent que les électeurs vont dormir, ce ne seront pas seulement les électeurs de l'opposition. Et vous l'avez dit tantôt ici, on ne va pas simplement tenir compte d'un bureau de vote pour dire, voilà, comme ici j'ai fait 1000 voix, et automatiquement je suis élu député national ou je suis élu président de la République. Non, nous avons des témoins partout. Je l'ai dit, nous nous sommes préparés, nous, le régime, nous nous sommes préparés pour ces élections depuis très longtemps. Nous n'avions jamais demandé les dialogues. Nous avons formé nos témoins. Des autres rêvés, hein. Évidemment. Ils ne croyaient pas. La raison pour laquelle vous avez des gens qui ont abandonné leur candidature pour soutenir quelqu'un, son projet. Ils soutiennent un candidat qui est lui-même incapable de présenter son projet de société. Lui seul, incapable de présenter son société. Sur quelle base, sur quels critères allez-vous céder votre candidature à l'autre? Ils veulent pas les dire. Ils sont libres. Ça doit être basé sur des critères. C'est-à-dire, moi, dès que je serai candidat président, si je quitte, je vais me rallier à X candidat, c'est sur base des critères. Je me dis, voilà, il y a ça, ça. Mais cela n'est pas justifié. Et tous sont réunis sur base de moyens. Tel nom, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Nous pensons que nous devons. En fait, c'est ça aussi la bassesse de. Voilà pour la raison pour laquelle je l'ai dit. Je crois après 2023, nous allons tabler sur des très bonnes lois. Qui doit être candidat président de la République? Qui doit être candidat député national ou provincial, etc. Nous allons tabler et pour, donner le poids. Nous voulons avoir des gérants, des gestionnaires de ces pays, des élites. Des personnes capables d'apporter des résultats. Pas des gens qui courent derrière l'argent. Non, c'est il faut t'amuser. Hein. Alors, Nico Faye. Comment je peux qualifier ça, des guerres entre l'église catholique, l'église des réveils, après le communiqué de la scène, quoi. Oui. Vous avez compris que les mouboutistes, l'homme-là, n'aime pas discuter. N'aime pas. Lorsqu'on parle de la loi, ça leur chagrine. Éric doit retenir ce qu'on entend par infraction, par faute, c'est quoi en droit. Vous rêvez, je ne laisserai pas passer cela. La négligence en droit, c'est ça la faute. C'est ça l'infraction, la négligence. Ce que tu devais faire et que tu ne l'as pas fait, par négligence, par mégarde, vous tombez le coup, sous le coup de cette infraction. Quiconque n'aura pas respecté les lignes budgétaires est passible de faute d'ingestion.
Celui qui n'aura pas respecté les engagements est passible de la faute de gestion. Tu dois retenir ça. Mais vous, les exécutifs, vous vous cachez derrière ça. La presse avait des alignés qui allaient soutenir tout haut que les fautes des dépassements qui étaient à présence n'étaient pas les fautes de gestion. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous interrogez la loi des finances publiques, article 129. Merci, Nico Fay. Alors, vous comprenez pas encore. Promesse non tenue. Nous comptons le premier armée d'Afrique. Mais la pomme de discorde, c'est plus par rapport aux électeurs qui doivent. Non, les promesses tenues. On commence par là. Moi, je commence par les promesses non tenues. Encore un premier que non, ton rapport de sa Congo Allemagne d'Afrique. Lui qui a vécu en Belgique, la Belgique n'est pas comparable à l'Allemagne. Pouvait-il voir un conducteur de véhicule sortir de celui à Simbamoutou que sans permis de conduire Allemagne d'Afrique? Mais ça date, ça date pas de Félix Tshisekedi. J'ai dit ceci, la dernière délivrance des permis de conduire date de 2017. Un permis de conduire a une validité de 5 ans. Bêta à bêta machine. 2017 plus 5 ans, c'est 2022. Les électeurs vont arrêter. Promesse d'intérêt, tu veux te l'échapper. Oh. Il a promis qu'il aura un kilo de commission à 2000 francs congolais. Ma congolais, est-ce que toi, tu n'as un kilo de commission à 2000 francs à Congo? Attends, c'est de plus. Et les promesses qu'il y a mis, tu peux en parler? Ma promesse non tenue. Alors, que dans la carte, poulet à 10 dollars et Zalakawa, poulet à Moukiki, il y a mon corps, 12 000 francs. Nico Fay, répondez à ma question. Et là, il merci Nico Fay. Les électeurs. Les promesses non tenues. Vous l'avez déjà dit. Parce que ta première carte en soi, les gens ont la carte en soi, mais la carte en soi. Nico Fay. Nico Fay, c'est moi qui conduis les débats. Mais tu m'as dit les promesses non tenues, non? Donc tu vas parler. Nico Fay. Le salaire qu'ils ont trouvé. Les agents et fonctionnaires de l'État. Alors, les débats. Les routes, Nico. Les routes, du toit à bord, boulevard. Nico, pas les routes. Le premier haut, pas des désordres. Pas des désordres. Boulevard. Mais Nico, s'il vous plaît, pas des désordres. Mais, alors, les promesses d'autres élites, d'autres l'ont évoqué. Alors, par rapport à ce qu'a dit la SENCO, que les électeurs devront rester dans le bureau jusqu'à l'affichage, qu'est-ce que vous en pensez? L'église des réveils est contre cela. Et Dieu a mal à Moïse. Pourquoi toutes ces églises dites de réveil sont toujours derrière parce qu'ils ne vivent que des miettes qu'on leur donne? Oh, mais Eric Tshisekedi a dit aussi que l'église catholique est derrière un candidat, finalement. Ah, ça dit un candidat. Ça dit en 2018, lorsque l'église catholique était avec le rassemblement des Christ et moi, c'est-à-dire, c'était qui se tenait au nom de l'Église catholique. Merci de compagnie. Merci Eric Tshisekedi. Qu'est-ce qui est fini? Toutes les marges du rassemblement de 2018. Avec quel point de départ? La marche du 16 février 92, la marche des chrétiens, elle a été organisée par qui les avait financés? L'Église, la bonne Église a été toujours du côté des opprimés. Merci Nico Fay. Merci à Eric Tshisekedi. Merci à vous fidèles auditeurs et téléspectateurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique Junior et Cassanda. Madame, messieurs, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.